Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je pense que d'ici quelques minutes, on ne va pas tarder à démarrer. Bonjour. Oui, mais... Well. <laughs> Bonjour à tous, bonjour à toutes, on attend encore une petite minute ou deux pour commencer. Je pense que soit euh, Imen Nassef, soit euh, Myriam euh, introduira la réunion, peut-être même Khaled. Euh, bah, en tout cas, bienvenue à tout le monde. Cette, enregist... Cette euh, présentation va être enregistrée, donc vous aurez un lien. Et puis, euh, surtout, pensez à remplir euh, le questionnaire qui vous est envoyé par euh, Myriam Ben Chaban, et merci à SPG d'organiser cette réunion et euh, bienvenue à tous. On se donne encore euh, deux petites minutes. Merci Khaled, Imen, euh, Myriam, euh, je vous propose peut-être de, de, de lancer le, le webinaire. Qu'en pensez-vous Je vous laisse Bonjour, prendre la Pierre. parole. Bonjour oui. et merci à vous d'organiser ce, ce rendez-vous de présentation. Bah, C'est toujours un plaisir. C'est toujours un plaisir de, de vous retrouver, bon, bon. de retrouver nos partenaires et nos clients. Donc, euh, euh, bah Aujourd'hui, euh, on lance une petite campagne de webinaire avec notre partenaire Atempo. Euh, C'est un partenaire historique avec lequel nous avons des relations privilégiées et qui, est, et qui évolue dans le domaine de la protection de la donnée. Et vous allez découvrir un peu ce que oui, fait Atempo, oui. qui est Atempo au moment de cette présentation. Euh, je tiens à vous remercier d'être présent aujourd'hui avec nous. C'est toujours très difficile de faire tout ça à, à distance. Hein. On aurait bien aimé animer ces, ces, ces événements directs et voir nos, nos clients de, de visu, mais malheureusement... bon. Mais on commence à s'habituer, donc ça va. Voilà, je tiens donc à vous remercier pour votre présence. C'est une série de webinaires qui va continuer et qu'on a entamé depuis le début de cette période compliquée pour parler de sécurité essentiellement, sécurité de la donnée. Donc il y a plusieurs volets que nous avons abordés des volets euh, malware, le volet protection des applications web. Et là, on arrive à une, à, au moment où on va parler de tout ce qui est protection de la donnée, essentiellement de la sauvegarde et de la restauration. Et vous allez découvrir un produit qui est exceptionnel aujourd'hui. Voilà, merci encore de votre présence. Pierre, je te laisse la parole. Merci. Merci, merci euh, bonjour à tous euh, et, et merci d'assister à cette présentation. Euh, bah oui, c'est une présentation à distance. Euh, le Covid, euh, le Covid nous a obligé à, à changer nos façons de, de travailler. Euh, et on s'en rend compte partout, euh, que ce soit en, en France, en Europe, en Afrique, au Moyen-Orient, euh, sur la plaque asiatique ou sur la, place, la, la plaque américaine, euh, que ce soit au nord ou au sud, euh, c'est mondial. Euh, je lisais un article dernièrement où euh, le, le fabricant de PC portables et de PC de bureau, Lenovo, avait du mal à fournir des matériels. Euh, était, euh, était sur le sur le fil du rasoir, euh, tellement ils étaient obligés de vendre et de proposer euh, des nouveaux matériels à des personnels qui devaient maintenant être en télétravail. Et, et, et bien évidemment, si, euh, si un DSI, un RSSI, un CTO, euh, un dirigeant d'entreprise réfléchit à tout ça, euh, ben à un moment donné, il se dit oui, mais comment je fais pour protéger les données de toutes ces personnes euh, qui travaillent à distance j'avais déjà ces problématiques avant, mais le Covid est en train de les amplifier. Comment je protège ma donnée? Et c'est le sujet de cette présentation que je voudrais le plus interactif possible. Euh, je vais vous présenter les, les intervenants. Euh, sur la gauche, Pierre Vallée. Je, je suis business developer pour, euh, pour ATEMPO sur. Euh, euh, la Tunisie et sur l'ensemble de l'Afrique et du Moyen-Orient. Euh, J'ai euh, Siem Lamari qui est présente avec nous en ce moment euh, comme assistante commerciale et Amran euh, Lawari qui est un solution ingénieur avant-vente à Tempo qui euh, nous aide et qui sera très heureux de répondre à vos questions euh, si vous avez des questions euh, pour cette présentation. Alors, bonjour. Rapide. R rapidement, merci Amran, rapidement on va euh, on va essayer de comprendre un peu qui est à tempo. Eh bien, Atempo, c'est euh, un éditeur euh, français euh, qui fait maintenant partie euh, du top 100 des éditeurs. Euh, on est euh, dans l'activité de, de construction aussi d'appliances, de solutions toutes incluses euh, de, de, de sauvegarde. On travaille aussi avec des hébergeurs euh, qui, qui s'appuient sur nos savoir-faire pour pouvoir effectivement euh, mieux sauvegarder la donnée. Euh, on a un centre de, de recherche euh, qui pousse et qui travaille très fort sur l'intelligence artificielle associée euh, aux problématiques de, de protection de données. Et euh, on travaille dans un mode de distribution avec plus de 30 ans d'expérience. Euh, on a recensé l'ensemble de nos clients en fin d'année, euh, décembre de l'année dernière. Euh, on a plus de 12 000 euh, clients euh, aujourd'hui de par le monde pour, pour une société qui, qui, qui est de 200 personnes euh, et qui, bien évidemment, euh, en arrive encore à bien travailler. Puisque euh, on a euh, fini notre exercice avec 20 millions euh, d'euros de chiffre d'affaires. Alors, où est-ce qu'on se trouve comment, comment on est implanté et, et comment on travaille tous ensemble eh ben, On a neuf sites géographiques euh, aujourd'hui euh, sur la France, la Chine, les USA, l'Allemagne, la Belgique, Singapour, la Corée. Et on a été emmené par nos clients. Au départ, on a travaillé en France, on a déployé en Europe et puis, puis on a été déployé sur le, la plaque asiatique et ensuite sur la plaque américaine. On a cinq centres de recherche et développement, donc des gens qui travaillent sur le code, qui travaillent sur les produits et tout ça est fait en France. On a aussi un centre de support en France et ce centre de support en France, ben il est capable de couvrir 7 sur 7, 24, 24, l'ensemble de la planète. Et puis, comme je vous le disais, euh, plus de 12 000 clients. Et aujourd'hui, on est sur plus de 190 pays, exactement 192. Tous ces petits points jaunes que vous voyez, c'est à la fois des comptes clients et aussi euh, des partenaires et des distributeurs, puisque nous travaillons sur un mode de distribution de nos solutions logicielles en mode indirect. Alors. Ce groupe, bah, il commence à être récompensé et reconnu, euh, et, et énormément reconnu, puisque euh, vous voyez ici quelques logos, on fait partie de la French Tech 120, euh, on, fait aussi, euh, euh, on, fait, on a aussi été labellisé par l'armée française plus de il y a trois produits donc euh, que, que dans notre portfolio logiciel qui sont utilisés aujourd'hui par, euh, par par l'armée française on fait partie comme vous le voyez du truffle 100 euh, on est en 33e position euh, des éditeurs sur le top 50 d'édition et bien évidemment on a euh, pléthore euh, euh, de, de grandes comment dirais-je de grands labels qui reconnaissent nos savoir-faire et avec lesquels on travaille. Euh, je vais citer Exatrust, qui est un regroupement qui travaille sur toutes les problématiques de cybersécurité et de cloud. Je vais parler euh, du European Champion Alliance. Je vais aussi parler de TerraTech. Si vous allez sur notre, notre site web atempo.com, vous verrez encore plus d'informations. Vous pourrez euh, récupérer des datasheets. Vous pourrez euh, voir un petit peu euh, l'ensemble de nos produits. Et je vous invite vraiment à être curieux parce qu'on a vraiment de très très belles euh, solutions. On a de très belles solutions parce qu'on a un portfolio logiciel qui est très conséquent. Euh, un de nos produits avec lequel nous avons attaqué la partie asiatique et la partie américaine, ça fait maintenant plus de 15 ans, euh, bah c'est Myria. Myria, c'est un outil de guerre, c'est un outil qui est fait pour la sauvegarde, la synchronisation, la migration de large volumes. Alors on va parler de centaines de terras, on va parler de 500 terras, on va parler de pétaoctets, on va parler de millions, de milliards de fichiers, qui sont, utilisés, qui sont mouvementés, sauvegardés, synchronisés par Myria. Ce n'est pas l'objet de cette présentation, mais on verra dans le cycle qu'on est en train de faire avec SPG, à un moment donné, on en reparlera un petit peu plus. Lina. Alors lina, c'est un outil magique, c'est un peu l'objet de notre, notre présentation d'aujourd'hui, protection en continu des données, que ce soit des postes fixes ou des portables ou aussi des serveurs de fichiers. Bien évidemment, si on est spécialiste dans ce métier, on se doit d'avoir un outil performant de sauvegarde multi-OS, multi, -OS, multi avec la possibilité de faire de la protection des serveurs physiques et virtuels et aussi des applications. Et c'est c'est avec ce produit-là, Tina, que Atempo a. A commencé à essaimer son produit, à développer et aussi avec des paradigmes particuliers, a réussi à pénétrer très fortement ces marchés. Alors, qu'est-ce qui, qu qui nous préoccupe en ce moment tous, qu'on soit. Euh, qu'on euh, euh, qu travaille dans un secrétariat, qu'on travaille dans une équipe de commerce, qu'on soit dirigeant, qu'on soit euh, euh, patron d'informatique, et euh, eh ben, aujourd'hui, toutes nos habitudes euh, ont été modifiées euh, à cause de cette pandémie de Covid qui continue et qui, qui hélas, euh, n'est pas en train de, de s'arrêter. Et on a un recours massif au télétravail. On a un recours massif euh, au travail à distance, on, est la on en est la, la preuve aujourd'hui. Et là, on a des besoins de, de sécurisation euh, de nos accès à distance, et puis surtout, qu'est-ce qu'on fait des données euh, qui sont euh, générées sur ces, sur ces PC euh, Si on regarde un petit peu cette pandémie, bah, elle est mondiale. Euh, j'ai fait un snapshot, hélas, de, 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 de la situation Covid il y a quelques jours. Ça ne va pas en s'améliorant. Et, 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 et moi, quelque part, j'ai rapproché ça aussi d'autres menaces qui sont les, les menaces informatiques. Et si vous allez sur des sites web un peu spécialisés, vous allez vous rendre compte que, hélas, euh, eh ben, en permanence, on a des attaques. En permanence, on a des virus. Et on peut rapprocher euh, ces attaques informatiques ici euh, bah de ce qui se passe euh, sur la carte mondiale au niveau, de, euh, au niveau du Covid. Et là, on a, on a, un, on a une, un, vrai, un vrai souci, un vrai problème. C'est euh, ce nombre d'attaques qui explose. Euh, de plus en plus, les gens qui nous attaquent. Euh, euh, utilisent des, des méthodes complexes. On parle même d'intelligence artificielle associée à des, à des malwares. On remarque tous, euh, dans tous les pays, que personne n'est à l'abri, qu'on soit un grand groupe, qu'on soit une société euh, TPE, PME, PMI, euh, on se fait attaquer. Les antivirus, bah oui, il faut en mettre, c'est important. Euh, les solutions 0D, il faut en mettre, c'est important. Et pourtant, euh, bah, on se rend compte qu'il y a des gens qui payent la rançon, euh, qui pensaient être protégés et qui euh, bah, ne retrouvent pas leurs données. Et puis, de plus en plus, euh, euh, les, les, les attaquants, les, les cybercriminels, bah, utilisent des choses complexes pour nous attaquer. Ils profitent du Covid pour nous attaquer. Et là, euh, je voudrais un petit peu euh, qu'on se mette tous d'accord sur ces mots. Euh, on voit malware, on voit brute force, on voit defacement, on voit DDoS, on voit phishing, on voit spoofing, on voit ransomware. Ben, en fin de compte, tous ces mots-là, euh, c'est synonyme de, de risque pour nous. Euh, le malware, qu'est-ce qu'il fait eh ben, Il va venir nuire et dégrader notre file système. Le defacement, c'est euh, l'utilisation d'une je dirais, d'une faille de sécurité, pour se mettre à la place de votre site web et euh, pour faire croire qu'on est votre site web. Euh, le ransomware, bah, vous, vous savez tous, ça vient verrouiller vos fichiers, ça vient les encrypter. Les attaques de type euh, DDoS. Euh, eh bien, C'est en fait une inondation de messages. Hein, c'est distribute denial of services. C'est de l'usurpation. Euh, euh, c'est une inondation de messages. Le spoofing, là, c'est un petit peu euh, ce qu'on appelle euh, l'email du, du PDG. On vient usurper une identité. Le brute force, c'est du craquage pur et dur euh, de vos passwords. Euh, voilà, il faut, il faut, voir que euh, le, le phishing, bah, c'est, on vous appâte sur quelque chose et en fin de compte, on vous redirige sur un autre lien et on fait de la récupération d'informations. Donc là, on se rend compte que, bah, le, le, la pandémie cyber, euh, là aussi, les virus, euh, ils sont, euh, ils sont mutants. Hein. Il y en a, il y en a de, de toutes les couleurs, de toutes les façons. Et comment on peut faire euh, pour se battre contre ça Parce que, en gros, et, et, et soyez conscients de ces chiffres-là, on a plus de 6,4 billions d'emails qui ont été euh, des faux emails et envoyés euh, sur le courant de l'année 2020. On a 33% d'augmentation euh, des montants au niveau de, des rançons. Et on a une hausse de cybercriminalité qui est de plus de, de 300% euh, sur, euh, sur le, sur le le, je dirais sur le, le, la période complète de, de la pandémie. Alors, ces chiffres-là, ce n'est pas moi qui vous les donne, hein. c'est des chiffres que vous allez trouver euh, sur les sites web. C'est un véritable fléau. Euh, ce coût de cybercriminalité, il nous a coûté en 2018 euh, 2 trillions d'euros à toute la planète. Euh, c'est 1% de, du PIB euh, d'un grand pays et surtout. On sait qu'en 2021, ça va être multiplié par trois. Alors, cet argent, il va nous être pris, il va nous être volé. Euh, C'est vraiment important qu'on protège nos utilisateurs. Euh, et il faut aussi faire ce constat-là. Il y a 55% aujourd'hui des, des entreprises, quelles qu'elles soient, des grandes, des petites, des très grands groupes, qui n'ont aucune solution de sauvegarde pour les, 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 les postes de travail qui sont en place. On sait que 97% des PC qui sont volés ne sont jamais retrouvés. Soit ils sont bricolés, démontés, revendus, en tout cas, son propriétaire, il perd ses données. On sait que, 1200 ordinateurs portables sont perdus chaque semaine en fonction de l'endroit euh, et de la zone dans laquelle on se déplace. Et on sait aussi, hélas, que 38% des entreprises, euh, ben, les données importantes se trouvent sur leur PC portable et ou sur leur PC de bureau. Moi-même, là, en ce moment, je suis en train de vous faire ma présentation. Euh, j'ai dragué et dropé ma présentation sur mon bureau. Alors, j'ai eu hier soir euh, l'idée de la mettre effectivement dans mon dossier SPG, mais on n'y pense pas toujours et, et, et j'ai surtout la chance, moi, d'avoir un agent LINA qui tourne en permanence sur ma machine et qui me protège. Alors, comment on peut protéger ces postes de travail En fait, euh, si, si vous discutez avec les RSSI et, et les responsables informatiques et les utilisateurs, ils vont vous dire ben ⁇ moi, j'aimerais bien être, être sûr tout le temps, en permanence, même là, pendant que je vous parle, que les sauvegardes se fassent. ⁇ Et ça, c'est particulier. J'aimerais aussi euh, reconstruire rapidement euh, mon poste, à savoir peut-être la totalité, si on me le volait, ou une partie euh, de ce poste. Et ça rapidement. J'aimerais aussi peut-être, euh, si je suis attaqué là par un malware, il est 10h22 sur mon ordinateur, imaginons que là je me fasse euh, euh, crypto-loquer, donc verrouiller complètement au niveau de ma session PC, euh, crypter l'ensemble de mes machines, bah, j'aimerais revenir euh, en début de cette présentation à 10h05 euh, avec un outil un peu magique pour pouvoir récupérer ma présentation et continuer à vous la faire. Et puis, cet outil, bah, si, si bien évidemment il travaille et qu'il protège mes données pendant que je, je suis en train de travailler dessus, il ne faut surtout pas que ça écroule les performances de mon réseau et la performance de, de mon PC et que ça m'impacte, moi, Pierre Vallée, euh, de, de, sur mon travail. Et puis, idéalement, quand vous avez 50, 100, 200... 500 personnes en télétravail, il bah faudrait peut-être pouvoir faire en sorte que les gens soient autonomes pour que les DSI aient plus de temps pour travailler. Donc, sauvegarder en, les données en toutes circonstances, bah ça veut dire sauvegarde en continu, reconstruire rapidement le poste endommagé, ça veut dire trouver un outil qui me permette de, de récupérer euh, l'operating system, les applications, puis aussi euh, les données. Revenir euh, à un état plus proche, ça serait pouvoir naviguer dans le temps, comme je vous disais tout à l'heure. 10h22, je me fais attaquer. Comment je reviens à, à, à 10h Protéger euh, sans impacter mes utilisateurs, bah ouais, c'est un must to have. Et puis rendre mes utilisateurs autonomes, c'est aussi un must to have. Et là où euh, Atempo va vous apporter des solutions et va vous apporter la solution qui va répondre à tout ça, eh ben le produit LINA il a été conçu pour faire tout ça. Il fait ce qu'on appelle du Continuous Data Protection. Un logiciel standard de backup aujourd'hui, vous lui dites, à partir de telle heure, je te demande de faire les sauvegardes. Eh bien, LINA, à partir du moment où on le démarre, son premier boulot, c'est de faire la sauvegarde du PC. Et puis ensuite, au fil de l'eau, euh, il sera capable de faire euh, des petits bouts de sauvegarde en automatique sans que personne ne s'occupe de rien. L'idée, c'est de pouvoir aussi, si on est itinérant, euh, pouvoir faire ses sauvegardes depuis le bureau quand on y est, l'hôtel quand on est en déplacement. Euh, euh, le restaurant s'il est ouvert ou le point Wi-Fi sur lequel on peut se connecter. Euh, donc, c'est pouvoir être euh, certain d'être sauvegardé depuis n'importe où. Alors sauvegarder pour restaurer, vous allez euh, sauvegarder pour sauvegarder. Vous allez me dire super, magique. Puisqu'il faut, c'est aussi être sûr de pouvoir restaurer, voire de donner des droits à des gens dans l'entreprise en lui disant après tout, toi, Pierre Vallée, bah, tu n'es pas trop bête je vais t'autoriser à faire tes restaurations de tes fichiers et ça va me faire gagner du temps, moi, patron de l'informatique. Euh, un outil qui va devoir être simple et, et facile à installer, ben c'est le cas de l'INA. En fait, en trois clics, en deux clics, vous pouvez l'installer. Euh, en une semaine, vous pouvez tester le produit et en, euh, je dirais, euh, euh, moins d'un mois, vous pouvez, euh, après avoir fait vos tests, passer votre commande auprès de SPG euh, pour, euh, pour utiliser l'INA. Vraiment, c'est un super outil et ça ne vous pénalise pas. Et on parlait aussi tout à l'heure de, de restauration on va parler dans cet outil de navigation temporelle ce fameux Pierre Vallée vient de se faire crypter les fichiers à 10h22, et bien avec la navigation temporelle, on va regarder tout à l'heure, et vous pourrez poser des questions par rapport à ça, on va pouvoir mettre la restauration 10 minutes avant et retrouver les fichiers dans, dans un bon état. Alors, comment, comment ça s'installe l'INA ben D'abord, euh, si je suis une entreprise, j'ai un site central, je vais mettre mon moteur l'INA en place, et puis, je vais mettre mes petits agents LINA sur l'ensemble de mes machines, que ce soit du Microsoft, du, du Linux ou, ou de l'Apple. Et puis, le moteur de LINA va commencer à, à avoir des informations de chacun des agents qui vont venir faire leur sauvegarde. Et puis, euh, quitte à avoir LINA dans une entreprise, il bah, faut que ce soit utile et que ça puisse évoluer. On pourrait penser que cette société, elle travaille avec un autre site géographique. Sur cet autre site géographique, il y a d'autres machines à sauvegarder. Et comment on va pouvoir sauvegarder ces machines eh bien, On va pouvoir les sauvegarder au travers le réseau et puis peut-être le VPN de l'entreprise. Puis si cette société elle, a racheté encore une autre entreprise, ben, on pourrait penser mettre encore une fois une autre connexion vers un autre site géographique et pourquoi pas un autre serveur LINA ailleurs dans l'entreprise et pourquoi pas répliquer. Le serveur A vers leur serveur B, le serveur B vers leur serveur A. Alors, comment ça se passe pour des gens comme vous et moi qui sont toujours en, en mobilité Comment on fait pour sauvegarder euh, ces PC, ces machines ben Là, actuellement, pendant que je vous parle, mon agent Lina, au travers ma box, il est euh, capable de se connecter au serveur Lina à tempo qui se trouve à ma et il est capable de faire mes sauvegardes, mais surtout de me permettre de faire mes restaurations. Et en plus, il va permettre d'avoir des, des, des notions de sécurité, puisqu'on pourra mettre un, un reverse proxy, pour pouvoir être certain qu'il n'y ait pas de soucis. Euh, au niveau de qui est en train de se connecter sur ce serveur et vers qui je vais, euh, je vais donner mes... mes je vais, euh, vers qui je, je, je réenvoie mes données, excusez-moi. Alors, imaginez que je sois parti euh, en Tunisie aujourd'hui et que là, je fasse ma présentation depuis le site géographique de, de, de SPSG à Tunis et qu'en fait en venant de l'aéroport et, et malencontreusement, j'ai laissé mon PC dans le taxi. Comment Pierre Vallée va-t-il faire, alors qu'il est chez SPG, sans ordinateur, pour pouvoir faire sa présentation ben, Je vais me mettre sur le PC de Imen, de Myriam ou de Haled, et je vais me connecter au travers l'interface euh, web euh, de SPG vers le serveur Lina. Et je peux aussi, même si je n'ai plus mon PC, euh, et ça c'est un euh, vraiment une super possibilité, une super option qu'il y a dans le produit, je vais pouvoir me faire reconnaître comme étant Pierre Vallée. Je vais lui dire Renvoie-moi ma présentation SPG. Il va m'envoyer dans ma boîte mail un code secret pour que je me signe, que je valide la chose. Et je vais, au travers euh, un PC et au travers euh, un browser, pouvoir récupérer mes fichiers. Donc, Lina, c'est vraiment une super solution, super performante, super efficace, qui va répondre à tous ces besoins. Alors ici, vous voyez dans le titre, on parle de Lina on-prem, on-premise. Ça veut dire que le serveur est chez moi. Il peut être dans mon data center perso, mais je pourrais imaginer un Tunisie Telecom demain qui décide de mettre un moteur LINA et qui décide de euh, faire des sauvegardes d'ordinateurs de sociétés distantes. C'est aussi un, un, un service qu'on peut, qu peut construire si on veut faire du LINA as a service avec des gens qui ont euh, des data centers. Je vais, je vais vous donner un exemple d'un client euh, qui a été signé fin novembre, début décembre euh, de l'année dernière. Euh, ce compte client, c'est la ville de Paris. La ville de Paris a acheté un serveur Lina plus 10 000 agents pour euh, pouvoir être en mesure de faire les sauvegardes de l'ensemble des 10 000 personnes qui étaient en télétravail. Voilà comment on répond à une problématique euh, par rapport à, à ce Covid et par rapport à ces malwares. Alors, vous l'avez compris, comment ça va Pourquoi l'INA, il est utile et pourquoi il va m'aider ben, Moi, Pierre Vallée, je fais une erreur humaine, je supprime un fichier, j'ai vidé ma poubelle. Et ben, L'INA va me permettre, de, de en tant qu'utilisateur, de récupérer mes données en appelant le responsable informatique ou l'exploitant en lui disant voilà j'ai perdu mes fichiers aide-moi comment je fais ou alors s'il m'a donné les droits je vais pouvoir euh, je vais pouvoir effectivement en toute autonomie récupérer mes fichiers je suis attaqué j'ai un virus un ransomware pourtant j'avais mis euh, des pare-feu pourtant j'avais mis tout ce qu'il fallait contre les cyberattaques pourtant j'avais mis du 0d ben oui mais le virus moi je sais que malgré tout tout ce qu'on fait sur mon PC, un jour ou l'autre, j'en aurai un. Donc, il faut que mon dernier rempart, ce soit un donjon, ce soit ma sauvegarde. Et c'est Lina qui va m'aider. Donc là, je vais pouvoir restaurer toutes mes données dans un état au plus proche avant l'attaque, puisque je suis capable de dire à Lina, tu, 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 tu mets en place une police où tu fais mes sauvegardes toutes les minutes ou toutes les cinq minutes ou tous les quarts d'heure ou toutes les heures. C'est moi qui vais avoir le choix, c'est mon DSI, c'est mon RSSI, c'est mon exploitant de backup qui va pouvoir mettre en place tout ça. On me vole euh, mon PC, j'ai une catastrophe naturelle, j'ai un incident matériel. Et ben, grâce à une fonction qu'on appelle BMR, par exemple là c'est le cas sur mon PC qui est considéré comme un PC entre guillemets, entre crochets, VIP pour Atempo. Mon PC est sauvegardé à la fois au niveau de l'Operating System, des applications Windows et aussi des fichiers, ce qui fait qu'on pourrait, je, là je travaille sur un, sur un PC portable Huawei, ben je pourrais très bien perdre ce PC, prendre un PC Lenovo et reconstruire très rapidement l'ensemble de mon PC euh, sur un hardware différent. Et puis, euh, je suis en itinérance, je veux récupérer mes fichiers, je peux récupérer mes fichiers de différentes façons et aussi avec une restauration euh, de, type, de type web. Voilà. Donc, c'est vraiment euh, une, une, une solution euh, très intéressante et je vous invite, euh, là maintenant, on va un petit peu essayer de discuter tous ensemble euh, par rapport à ça. Euh, je vous invite à le tester. Euh, les gens de, de, de SPG sont formés, peuvent euh, mettre en place des POC euh, de tests chez vous. Euh, je vous dis, en, en une semaine, deux semaines, vous avez, fait, euh, vous avez fait vos tests et vous êtes capable de dire, OK, Banco SPG, moi, ça m'intéresse, je veux protéger mes données, je veux prendre soin de mes données, on ne l'oubliera jamais. Et là, nous, à Tempo, on est vraiment là pour vous aider, pour pouvoir euh, vous garantir de restaurer euh, euh, l'ensemble de vos données. Voilà. Moi, j'en ai, euh, ai quelque part fini sur cette sensibilisation euh, par rapport, à, par rapport à, à la protection de vos données. Ce que j'aimerais, euh, c'est que euh, les micros s'ouvrent et que tour à tour, euh, vous me posiez euh, vos différentes questions. Par rapport à ça, je pense qu'il y a déjà des gens ici, euh, par rapport à cette présentation, qui se disent, ah bah oui, mais effectivement, là, tout ça, c'est quand même important, c'est intéressant. Alors, sachez que dans notre volonté à Tempo de développer notre activité sur la Tunisie, on a euh, placé nos produits sur euh, un market price, sur une liste de prix spécifique, et euh, je pense que Yemed et, et Khaled sont, sont très contents de ça, on a vraiment euh, adapté euh, au pays, à la Tunisie, euh, notre offre, euh, à la fois techniquement et à la fois surtout commercialement. Voilà. Euh, je, je vous propose de poser vos questions, n'hésitez pas, dites-moi, euh, parlez-moi un petit peu de de ce que vous faites sur la protection de vos PC en ce moment et, et j'espère que cette présentation vous a vous a vous a sensibilisé et vous a donné quelques idées et j'espère que très prochainement on va avoir des gens qui vont tester le produit en Tunisie et qui vont surtout passer des commandes auprès de SPG voilà la parole est à vous alors est-ce qu'il y a des questions sur le fil de conversation. Est-ce que j'ai été clair Je ne vois pas de questions. Est-ce que c'est clair pour tout le monde Alors ce qu'on peut faire, dites-moi, n'hésitez pas à ouvrir vos micros hein, ou, à taper dans le, ou à taper dans le dans le chat. Hein. Ce qu'on peut faire, ce que je peux faire, c'est aussi vous présenter mon bureau. Là, vous voyez mon bureau, je pense tous. Et vous voyez qu'ici, j'ai une petite icône, Lina. Alors, si je vais dans la supervision de Lina, pendant que je vous parle, ben, je vois, vous voyez, ça ne trouble pas du tout la, la présentation, ça ne gêne pas du tout le fait que je vous parle, je vois que Lina, il a détecté des petits blocs de fichiers. Et qu'il est en train de travailler. Et si je regarde ici, il me dit Pierre, moi, la politique de sauvegarde qui a été mise, c'est qu'on puisse revenir euh, 15 minutes en arrière. Donc, il me garantit euh, de pouvoir récupérer toute ou partie de mes euh, données ou de mes fichiers. Si je voulais restaurer des données, je rentrerai dans ce, cette interface homme-machine et dans cette interface homme-machine, je vais pouvoir charger l'image de mon PC, je vais pouvoir broser par exemple sur les utilisateurs, je vais pouvoir rentrer sur Pierre, je vais pouvoir dire tiens, euh, sur le bureau, euh, je voudrais peut-être récupérer des fichiers. Et là, ce, qui, ce que je vais vous montrer, alors je suis un simple utilisateur, je ne suis pas un ingénieur. Hein. Là, par exemple, j'ai perdu la photo Pierre que j'utilise dans mes présentations. Si je veux la restaurer, je viens cliquer tout simplement ici. Mais alors là, il y a un bouton un peu magique. Je ne suis pas sûr que c'est ça que je veux récupérer. Je peux appuyer sur Prévisualiser. Et là, oh, magie. On se connecte au serveur euh, Amassi et on dit, bah, voilà, est-ce que c'est bien Pierre bah, Là, je me reconnais, hein. c'est comme si j'étais un miroir. Donc euh, oui, c'est bien ça que je veux. Donc je suis capable de restaurer rapidement euh, cette image, mais ça pourrait être n'importe quel autre, euh, quel autre euh, fichier. Et si vous regardez attentivement sur mon PC, ici, vous voyez une petite coche verte. Alors j'espère que tout le monde la voit là sous la souris. Ben, ça, ça dit que Lina, il me dit ce fichier là, Pierre. Ben, c'est bon. Lina, euh, il l'a protégé. D'accord. Alors que volontairement j'avais bloqué un fichier pour pas qu'il soit sauvegardé. Vous voyez qu'ici, ce petit fichier, euh, eh ben, il a une petite pointe orange. Donc, il n'est pas complètement sauvegardé. Celui-là, complètement sauvegardé, il n'y a pas de problème. Ça veut dire que si je perdais là mon PC tout de suite, eh ben, la reconstruction de mon PCL se fera avec l'Operating System, avec les applications, avec mon bureau et avec tous les liens qu'il y a sur mon bureau. Voilà, vous voyez comme quoi c'est super simple. Ici, c'est la navigation temporelle. Hein. Je viens me positionner dans le temps. Ici, je choisis une date. Voilà, je peux parcourir, je peux vérifier. Si j'ai plusieurs, euh, comment dirais-je, plusieurs euh, versions de mon fichier, je vais être capable, euh, sur cette version de fichier, de, de, récupérer, euh, de récupérer mes données. Et puis, dans, dans tout ce qui est paramétrage, on va être capable de mettre des règles de protection, on va être aussi capable de, de booster la connexion en disant, bah, prends toute la bande passante pour être sûr de pouvoir sauvegarder, ou euh, de suspendre, ou aussi de dire, bah non, moi la bande passante, euh, je veux mettre une limite, euh, je ne veux pas que... Euh, là, ici, j'ai mis sans limite, mais, mais je veux que tu n'ailles pas plus vite que ça et tu fais les sauvegardes euh, au fil de l'eau. Vous voyez, moi, franchement, cet outil-là, euh, à chaque fois que je fais une présentation, j'ai des, des prospects, des clients qui viennent me dire Attendez, monsieur Vallée, il est super ce produit-là En plus, c'est très peu cher, euh, bah, moi, ça m'intéresse. Moi, ça m'intéresse. J'ai euh, mon PDG, euh, j'ai une dizaine de personnes VIP qui sont importantes, j'ai mes commerciaux. Euh, je vais installer un, un serveur Lina et une vingtaine de jetons. Je vais installer une cinquantaine de jetons. Et puis quand tout va bien, ben, c'est des grands comptes, hein. c'est des sociétés comme, euh, comme la mairie de Paris qui disent, bah, écoutez, Banco, ça m'intéresse, et euh, je, vais, euh, je vais vous passer une commande de 10 000 euh, jetons. Voilà, je rends la parole à, à Khaled et à Ahmed. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Amran est là, euh, Siem est aussi là. On est tous là pour vous aider, donc n'hésitez pas. Euh, merci beaucoup, Pierre, pour, euh, pour cette présentation. Euh, donc euh, voilà c'est important de d'aborder de, le sujet tout ce qui est sauvegarde données desktop surtout euh, donc on est en train de voir des euh, euh, attaques des ce qui se passe actuellement donc euh, que, par actuellement pendant cette période et spécialement avec euh, la mise en place de, de, de tout ce qui est télétravail. Donc, euh, la protection. Donc, généralement, les entreprises mettent des solutions pour la sauvegarde d'applications et serveurs. Et, mais euh, on a vu que les, la plupart des vulnérabilités euh, qui ont attaqué les, les mêmes des entreprises euh, qui, qui ont mis en place euh, des stratégies de sécurité très poussées. Donc les vulnérabilités et les attaques ont été parvenues à travers des, des desktops, des utilisateurs, des utilisateurs simples. Euh, donc euh, et euh, pour restaurer des données desktop, euh, le problème ça s'est posé. Donc avec l'arrêt de productivité, l'arrêt. Donc surtout euh, quand on parle d'un responsable RH, d'un responsable euh, service financier, donc euh, ils ont des données propres à eux qui ne sont pas sur les serveurs ni euh, euh donc euh, sont des, des données entre guillemets confidentielles des, données, des, des des fichiers Excel des, donc euh, le problème surtout se pose pour ce profil de d'utilisateur donc on doit avoir on doit bien sûr avoir euh, on doit restaurer leurs données dans les minutes qui suivent euh, et euh, surtout leur fournir le, le L'accès euh, à leurs données à n'importe quel lieu. Donc, on parle surtout pour un profil VIP de l'entreprise. Euh, donc, n'hésitez pas à faire à, appel à nous, à, à, à Tempo, donc, euh, euh, pour vous aider à mieux avoir euh, en détail euh, ces solutions, euh, même pour tester les solutions donc, euh, à Tempo. Euh, nous avons un, un canal de distribution de partenaires euh, formés qui, qui, qui ont mis en place ces solutions que ce soit donc pour pour des clients en tunisie euh, donc euh, le support il est là n'hésitez pas en tout cas mais surtout si vous, vous voulez avoir plus de détails euh, par rapport euh, à ces solutions nous pouvons vous planifier euh, des webinaires euh, pour vos équipes euh... Oui, euh, donc euh, au nom de toute l'équipe euh, Atempo et SPG, je tiens vraiment à vous remercier pour euh, votre participation. Donc, euh, la semaine prochaine, il euh, y aura un autre webinaire euh, euh, autour de euh, euh, Excusez-moi. Alors, juste, je, je vais vous donner euh, le thème exact. Hein, parce que. Tina 2020. Tina 2020. Oui, exactement. Tina 2020. La, la nouvelle version. Ouais. Et aussi un webinaire euh, le 24, hein, toujours euh, à la même heure, à 10 h Et je vais vous envoyer euh, les liens des webinaires, des hein, prochains webinaires. Voilà. Merci à toi, Pierre. Merci, merci à vous tous. Merci et à vous prenez tous de vous. Hein Et prenez soin Et, et rendez-vous semaine prochaine, effectivement. Il euh, y a un super outil aussi qui est intéressant qui s'appelle Tina 2020, une version assez extraordinaire, un moteur de backup assez extraordinaire qui rivalise aujourd'hui avec tous les concurrents euh, logiciels qu'on peut trouver sur la planète. Et qui, euh, sur, euh, sur sa forme de pricing en Tunisie, devrait euh, être un outil euh, qui se déploie de plus en plus. Voilà. Okay. Parfait. Bonne fin de journée et à jeudi prochain. Merci à tous et, et rendez-vous est pris pour jeudi prochain. À très bientôt, Inch'Allah. Merci. À très bientôt. Bye.